Je vais décrire maintenant une autre petite plante digne d'intérêt. Il s'agit de celle que vous voyez à mes pieds ici, hein? Sesbania pachycarpa. Sesbania pachycarpa peut avoir une hauteur qui atteint facilement, disons, ce que je vois ici, 1 mètre 10. Mais on a donné dans la littérature hein, jusqu'à disons 1 mètre, jusqu'à 2 mètres même, parfois 3 mètres de haut. Donc ce qu'on a sous mes pieds ici, c'est un pied jeune plutôt. Et c'est une plante qu'on va retrouver un peu partout en Afrique intertropicale, aussi au Madagascar et peut-être dans d'autres contrées du monde. Hein. Et en général, elle va avoir une tige qui va se ramifier dès la base. Même si ça peut être une tige dressée, plus ou moins seule aussi, hein, comme dans ce cas présent que nous voyons ici. Alors, il s'agit là de plants relativement jeunes. Ces plants relativement jeunes ont des tiges verdâtres. Et si on regarde ici à côté, voilà, il y a une division en branches qui sort là déjà. Donc, c'est de ça dont nous parlions. Ça va se ramifier dès la base. Donc au fur et à mesure que la plante va se développer, on va avoir plusieurs tiges qui vont se présenter là. Et ces jeunes tiges ont quoi, un diamètre de, on va dire, de 1 cm. Hein. Ce n'est pas très gros encore. Et donc c'est une plante qui va présenter des caractéristiques assez remarquables. On va commencer par décrire ses feuilles. Hein. Nous voyons bien qu'il s'agit de feuilles qui sont des feuilles composées. Alors, on va prendre celle-là, par exemple. Il s'agit bien de feuilles composées. Alors, est-ce que ce sont des feuilles paripennées ou imparipennées? Quand on regarde l'extrémité ici, on voit une paire plutôt de foliolules qui termine. Donc, c'est paripenné. Et on peut regarder d'autres. Hein. Par exemple, ici aussi, c'est une paire de foliolules. Nous disons ça parce que dans certaines littératures, elle est donnée comme imparipennée. Alors que là, ben, ce qu'on voit à l'extrémité, c'est bien une paire de foliolules. Alors, en fait, il y a sur ces jeunes plants, on va compter combien? Une première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, environ 30 paires de foliolules. Eh bien, la forme, c'est, on va dire, elliptique. Hein? Et les pétiolules sont quasi inexistantes, donc c'est des foliolules sessiles, tandis que la feuille elle-même a un pétiole, là, de combien? 1 cm. Hein? 1 cm. Et bon, les foliolules, leur largeur 5 mm, sur une longueur de 12 mm, avec une couleur vert foncé en haut et en bas, un peu clair, vert un peu clair. On sent un tout petit peu de pubescence. On ne peut pas les montrer parce que ce n'est pas très visible, mais parfois on les sent tout simplement. Et donc, quand on regarde la disposition maintenant des feuilles composées le long de la tige, là, nous voyons une feuille là, une feuille là, une feuille là, une feuille là. Donc elles sont, hein, c'est alterné, ce n'est pas des feuilles opposées. C'est des feuilles composées, paripennées, alternées. Et il est assez remarquable aussi de voir qu'il y a une coloration à l'endroit où le pétiole s'attache à la tige, il y a une coloration un peu violacée qui apparaît, là, on le voit. Donc, parfois, quand le tronc se déplace sur la face supérieure de certaines branches secondaires, on voit cette coloration violacée qui apparaît quand même. C'est assez remarquable. Et au fur et à mesure que la plante va se développer, donc on va voir apparaître à l'aisselle des feuilles, justement, une inflorescence, là. Hein, une inflorescence, voilà. Et celle-là, c'est fleur ouverte déjà, mais ici, on voit des boutons de fleurs à l'aisselle des feuilles, là, boutons de fleurs. Bon, là aussi, ça a commencé à se développer, mais en haut, regardez les jeunes, tout jeunes, c'est des boutons de fleurs. Donc, inflorescence axillaire, mais particulièrement dense, groupée, hein, en haut,
de la tige principale, donc à l'extrémité du rameau central. Et donc voici ces boutons de fleurs, hein, et qui vont se développer, développer. Déjà, on peut voir là qu'il y a une sorte d'étendard, d'enveloppe externe de pétales, plus large que les autres, qui a des petites taches. Le fond est jaune avec des petites taches, disons, marron foncé. Là, on le voit, ces taches. Et à la base, donc, on a un calice formé donc d'éléments de sépales, hein, presque continus. Donc, quand la fleur va se développer, bon, on peut donner les dimensions de ça. Il vaut mieux peut-être donner sur une fleur qui est pleinement développée, là. Là, donc, on voit le pédoncule qui porte la fleur, 1 cm. Tandis que le calice qui est là, là, a une hauteur, la partie verdâtre, de 5 mm. La partie qui correspond au pétale, hein, donc jaunâtre avec des taches, hein, comme si c'était moucheté, eh bien ça fait environ 1,5 cm, 15 mm. Et donc c'est assez remarquable que la plus grande de ces pétales-là, hein, va s'ouvrir, c'est ça, l'étendard va s'ouvrir là, surtout au crépuscule, là, quand le soleil va commencer à se coucher. Hein, on voit là. Quand on voit la largeur, hein, là, ouvert, ça fait quasiment 2 cm. Hein. Et donc, cette fleur, à l'intérieur, bien sûr, on va trouver. Bon, on peut essayer de compter les éléments comment dire, les éléments de pétales. Hein. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et à l'intérieur, si on ouvre ici, qu'est-ce qu'on va voir? On devrait voir les éléments constitués d'étamines et de. Voilà, j'ouvre là, je blesse un tout petit peu, voilà, il y a de nombreuses étamines, je pense une bonne dizaine, une vingtaine, et au milieu, le pistil, donc quand ça va être fécondé, ça va donner naissance à ces petites gousses que vous voyez là d'abord. Alors à ce moment, les éléments de pétales tombent, vous voyez là, hein, le pistil qui était là, qui a séché. Donc on voit la gousse qui émerge là au fond du calice. Hein, une gousse sous forme de faucille, légèrement courbée à l'extrémité, mais ça c'est très petit pour donner les dimensions. Ça peut grandir. Et là, en particulier, nous voyons, hein, des gousses qui sont des gousses dressées, quasi cylindriques. On voit là, de forme circulaire, le bout pointu. Hein. Et là, quand on regarde la longueur, hein, déployée, c'est plus de 20 cm. Là, on a quasiment 26 cm de long. Hein, depuis la base, 26 cm de long. Sur une largeur, on va dire, de combien? De 5 mm. Donc, à l'intérieur, il y a de nombreuses graines. On va couper un pour essayer de voir quelle est la forme de ces graines. Ce n'est pas à maturité. Donc, quand on essaie d'ouvrir la gousse, hein, on voit, les graines ne sont pas mûres, mais bon, on va arriver à les distinguer à l'intérieur de leur enveloppe, cette gousse. Là, je fais une entaille le long d'un sillon. Voilà, des graines immatures. Là, je détache comme des graines de haricots qui sont à l'intérieur et qui sont plus ou moins cylindriques. Là, je détache. Voilà, on prend une graine pleinement, quasi pleinement formée. Voilà, voici une graine. On voit qu'il y a une forme cylindrique. Et bon, on peut essayer de donner ces dimensions. Là, on a une longueur d'environ 4-5 mm sur une largeur de 2 mm. Donc ce sont ces nombreuses graines, quand elles vont arriver à maturité, la gousse va changer de couleur bien sûr. Et donc ces graines vont tomber, vous voyez que ça tombe déjà. Je vais en recueillir d'autres là, dans ma main. Voilà, donc je pense qu'à l'intérieur, on doit avoir une bonne vingtaine, à une trentaine. On voit leur loge là. Et donc voici ces graines qui sont là, une vingtaine à une trentaine. Qui sont des graines cylindriques très belles, et voilà donc ces graines à maturité vont pouvoir assurer la reproduction de cette merveilleuse petite plante. Mais ce que nous venons de décrire là devrait suffire à reconnaître cette plante.
Maintenant, nous allons donner quelques noms dans les langues locales. Eh bien, pour les langues locales au Mali, ou disons dans les pays où en tout cas on parle la langue mandingue, le malinké ou le mandinkan, donc que ce soit au Burkina Faso avec les Dula là-bas, en Côte d'Ivoire, les Dula, en Guinée, les malinké, au Sénégal, les malinké, au Mali, les malinké ou les Bamba, eh bien, certains appellent cette plante, donc ces Banyan Pachycarpa, ils l'appellent Sarasara, ou encore Mbalambalan. Au Burkina, les Mossi vont l'appeler Tabrukrao, ou bien Koulgendouara. Koulgendouara. Eh bien, au Niger, au Niger, en Djerma, ou en Zarma, ils vont l'appeler Kakarou. Et en Hausa, là-bas, Kierno. Kierno. Tandis qu'au Bénin, en Yoruba, ils vont dire Sénifiran, ou bien Ikaidju. Ikaidju. Donc, on n'a pas trouvé beaucoup de noms dans la littérature. Mais la description que nous venons de donner devrait pouvoir permettre de repérer et de contribuer à la préservation, à la conservation de cette merveilleuse plante dans notre environnement.